Yo BG, si tu veux participer à du coaching gratuit, peu importe ton rôle, peu importe ton elo, tout ce que t'as à faire, c'est t'abonner à la chaîne, mettre ton pseudo en commentaire et mettre ton plus beau pouce bleu. Sur ce, bon visionnage! Alors, on est parti pour travailler la lane phase en support. Travailler l'early game sur la lane phase pour arriver à tenir vos lanes, d'arriver à stomper vos lanes le plus facilement possible sur LoL. On va vous donner quelques petites strats pour pouvoir y arriver, pour que vous puissiez arriver à maîtriser. On est sur une game platine. Donc ça va être des conseils qui vont aller jusqu'en diamant. Mais voilà, si t'es platine, émeraude, diamant ou même en dessous, ça va pouvoir être grandement utile pour pouvoir progresser. Donc let's go en tout cas. Donc petite game de Nico Dono, petit cover classique, cover de deux côtés. Ça c'est une notion que vous devez vraiment arriver à comprendre dans League of Legends et que vous allez tout le temps me faire, d'accord. C'est concrètement, dans League of Legends, quand tu décides de ne pas invade en face, la règle absolument à suivre, ça va être de counter jungle pour pouvoir empêcher la team ennemie à invade. Concrètement, comment tu fais ça? Et c'est une règle qui va être absolue pour toutes tes games. La seule chose que tu es censé faire, c'est tout simplement cover ou par où vont passer les champions ennemis dans League of Legends pour pouvoir t'invade. Ils vont passer concrètement par les entrées de jungle. T'as 4 entrées de jungle pour arriver dans ta jungle, t'as 5 champions. Et ça va être tout simple de pouvoir cover. Et ton but, c'est d'avoir de l'information sur spacing, sur spacing, sur spacing et sur spacing. Et bien sûr, tu as des positions qui vont te permettre d'avoir un avantage. Et le meilleur cover bot side qui existe, et je vais te le donner tout de suite, c'est quelqu'un ici, quelqu'un ici. Tu auras l'information quand quelqu'un arrive là, quelqu'un arrive là, quelqu'un arrive là. Et en fait, dans tous les cas, tout ce que tu veux, c'est avoir l'information. Parce que toi, tout seul, par exemple, avec Nico dans le bush en bas, tu ne peux pas protéger tout seul. Et c'est pour ça qu'en fait, cette position, elle n'est pas vraiment hyper à ton avantage. Surtout que les personnes peuvent arriver de là à là. Et en fait, l'écart qui est d'ici, quand tu vas voir quelqu'un, l'écart là-là, est beaucoup plus court que l'écart que tu pourrais avoir ici, qui est de là à là. Concrètement, quand tu vois quelqu'un arriver, donc tu as plus de reaction time pour pouvoir reculer et fuir. Et pareil dit. Voilà un tip que vous devez absolument appliquer sur le cover jungle. C'est une des bases du jeu. Elle est souvent très mal exécutée. Et c'est un peu comme en bot lane en face, là, en train de voir que Yuumi et Kai'Sa cover du même côté. Il y a un trou. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à beaucoup invade. Parce que les gens cover très mal, même en platine, même en diamant. Essayez d'abuser de cette erreur. Donc là, c'est juste un petit tip, d'accord, que je te balance, qui est toujours très utile. D'accord. Mais ton but concrètement, ça va être déjà là ce qui vient de s'être. Je vais donner des tips généraux et je vais aussi te donner des tips qui vont être basés sur ton champion. Ok. Ton champion et ta catégorie de champion. Si on est capable de m'expliquer quelle catégorie de champion c'est avec grand plaisir. Nico est concrètement un spellcaster bot et qui fait aussi de langage. D'accord. Toi, ton but, ton seul but en tant que support, et là c'est un truc que vous devez arriver à comprendre dans League of Legends, c'est. Votre seul but en tant que support AP bot lane, il y a deux choses, d'accord. La première chose, c'est vous avez un petit item magique qui est l'item à stacking de gold, d'accord. Qui à chaque fois que tu utilises un sort, tu gagnes 20 gold, d'accord. Ça tu me l'utilises à balle. Et quand il est en timing CDR, et arrête de vouloir trade. Parce que les trades que tu prends en permanence, qui te coûtent de la mana, qui te coûtent des HP et qui te permettent de gagner des gold, si tu refais ces trades mais tu gagnes pas de gold, ils ont moins de value que toi. Donc concrètement, garde ta mana pour pouvoir retrade que quand t'as stack. Là par exemple, t'as fait ton full trade, d'accord. T'as fini stack ton item à gold, et tu me rajoutes pas d'autres auto et tu recules. Très bien joué. Là maintenant, t'es en tank creux, t'as pas de CD, t'as pas ton item. Arrête de chase parce que tu vas prendre l'aggro des waves. Et si tu chase un peu trop, qu'est-ce qui va se passer? Et tu vas te retrouver en 1v2 parce que lui il a un objectif, ton ADC c'est le farming et qui est juste là. Et donc tu vas perdre des HP, tu vas perdre le trade à ton désavantage juste si tu continues un peu. Et là tu vois cette auto là, voilà, tu viens de griff ta lane, voilà. Donc tu viens possiblement de follow first blood à ton pote, enfin à la bot lane ennemie, et tu viens tout simplement de perdre mid life. Et ça, c'est un truc que vous devez arriver à comprendre, c'est vraiment ces règles de seulement frapper dans vos temps où vous êtes en temps fort, pas en temps faible, sans céder, d'accord. Et si t'as pris un trail 200 contre 0, et c'est bon, reprends-en un plus tard et tu vas gagner ta lane. Et à force de forcer, ça vous coûte souvent des games. Bon, là, concrètement, on va analyser un peu tout ça et je vais t'expliquer. Concrètement, tu viens de griffer ta game, d'accord. Donc, je vais te donner deux notions. C'est un combo de 2-3 notions qui vont t'empêcher de retourner dans cette situation. D'accord? Chaud? Alors, ce qui se passe, d'accord? Vous arrivez en bot lane, d'accord?
Situation à éviter dans League of Legends en bot lane, ça va être 2-3 notions qui vont vous permettre de vraiment briller en bot lane et d'arriver souvent à nous faire un peu cash bêtement ou d'arriver à être outpost par rapport à vos alliés ou par rapport à vos ennemis. Alors ce qui se passe là, ce que vous arrivez à comprendre, c'est que déjà votre taf, d'accord, c'est de tout le temps, si vous prenez un trade, d'accord, par exemple ici, d'accord, donc Nico sur Kai'Sa, si tu veux prendre ce trade, il faut tout le temps que ton pote soit à range. C'est pour ça qu'on vous a développé une méthode qui est la méthode domino. Concrètement, tu n'as pas le droit d'engage si ton pote n'est pas dans cette zone, d'accord. Tu t'imagines un domino avec ton pote, d'accord, par rapport à la wave qui est comme ça, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah t'as pas le droit de dépasser cette ligne. Et si ton pote recule de cette ligne, bah tu dois aussi reculer concrètement, d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend un petit trade. Mais là, à partir de ce moment, là il y a un problème. Le problème, c'est que là tu es en pur 1v2. D'accord. Donc ton trade, tu peux le faire hyper court, tu dois le faire court parce que si tu vas à la longue, et ben en face il y aura deux fois plus de DPS, d'accord. Donc toi tu cales ton E, tu mets ton auto et tu recules. C'est le but de ton champion. Voilà. Tu vois là le trade est gagnant à partir de moment. Par contre, et ben maintenant que t'as utilisé tous tes sorts, d'accord, que tu continues à mettre des auto-attaques, que ton pote a osé utiliser ses CD et que t'as toute la wave, et ben si tu continues, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ton pote, là tu devrais te situer où? On prend le domino, tu devrais être situé ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu as cassé ce domino. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, tu vas te prendre un gros trade perdant pour toi. Ton pote va essayer de venir t'aider quand toi, tu dois reculer. Ce qui fait que c'est lui qui se positionne ici à cause de toi, concrètement. Et le domino est pas respecté, le mec est avancé. Donc, il est mort. D'accord? Donc, concrètement, c'est cette notion de domino que vous devez tout le temps vous réappliquer en laning phase pour pouvoir arriver à carry vos lane, en bot lane, et appliquer ça à balle pour pouvoir carry. Donc déjà, t'as cette notion de domino, d'accord, que t'as pas du tout respecté, crazy, d'accord. Et ce que tu dois arriver à comprendre, ok, c'est que toi, quand t'es positionné en domino, il faut aussi imaginer le domino ennemi. Je vais m'expliquer. Ce qui se passe concrètement, bon, là ton pote meurt, on va essayer d'attendre quand les gens vont revenir en lane, etc. Ok, c'est qu'à des moments en lane, bon là ça vous allez un peu briller, etc. Ça va être cool, j'espère. Non, bon, très bien. Il y a des moments où bah vous avez l'avantage. Oh, bien joué. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça va être l'équipe ennemie qui ne va pas respecter le domino, d'accord. Ça va être quand il y a un petit support qui s'avance un peu trop, un peu comme toi tu fais, qui casse le domino qui est comme ça, d'accord, avec son AD carry ici, pour pouvoir vous poke, par exemple, vous agresser un peu. Et bah là, si vous vous êtes positionné en domino, bah vous allez lui péter la gueule concrètement. Et ça, c'est à toi aussi de spam ping call et de faire du calling dans League of Legends pour dire il faut que je défonce cette personne. D'accord? Bon, tout ça, c'est pour t'expliquer un peu comment le domino fonctionne, comment tu peux abuse du domino et d'arriver à comprendre ça. Donc, déjà, comme je t'expliquais, ta première règle en bot lane, c'est être positionné en domino. D'accord? Très bien. La deuxième règle de la bot lane. Attends, je vois ça. Voici les règles en support en bot lane pour pouvoir carry vos games sur la ligne phase. La première règle, c'est de jouer en domino. On l'a expliqué dans plein d'autres vidéos. Qu'est-ce que le domino? C'est se positionner comme ça par rapport à vos mates et de ne jamais dépasser cette ligne. Concrètement, si quelqu'un recule, le domino est excentré, donc tu dois aussi reculer. Et à l'opposé, si l'ennemi est positionné, n'est pas positionné en domino, quelqu'un dépasse ici, et bah vous lui défoncez la gueule avec plein de spam ping parce que le mec est free kill niveau trade, d'accord. La deuxième règle, ça va être de se focus sur son item à gold. Concrètement, ce que tu veux en support, c'est utiliser tes temps forts pour pouvoir stack ton item, d'accord. Et que si tu fais un trade HP ou mana sur la décarie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toi, tu auras gagné 20 à 60 gold en plus dans le trade, et concrètement, vous serez grandement gagnant. Donc essaye plutôt de trade l'ADC au lieu du support, parce que toi tu vas stack des gold. A contrario que si tu trade le support ennemi, lui aussi va stack des gold, ok. Et la troisième notion qui va être assez intéressante, et c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est s'adapter au temps faible de l'adversaire et de vos alliés. Concrètement, quand tu as usé ton Q par exemple, tu arrêtes de vouloir zoner, d'accord. Tu joues safe, parce que là ta Nico elle est divisée par deux, et tu dois attendre. N'hésite pas à pinker, d'attendre tes CD et de seulement trade quand tu es en temps fort, ok. Et aussi d'aller trade les champions ennemis quand ils sont en temps faible. Concrètement,
La Kai'Sa qui était en face a utilisé son Q pour farm, et bah hésite pas à l'engage car elle vient de perdre 30% de son DPS sur un trade de 3 secondes. Trade que t'as envie de prendre, d'accord? Donc ça c'est vraiment une règle à arriver à comprendre, ces 3 règles pour juste arriver à carry vos lane hyper simplement en support. Vous remettez ça, ces 3 petites règles hyper pratiques pour carry de 1 minute à 10 minutes avant vos phases de roaming, et voilà. Donc déjà, tu vois Crazy, le minimum à faire, c'est toi avec ton champion d'apprendre inconsciemment à t'appliquer là. Déjà tu me fais une cinquantaine de games où tu te rappelles ces 3 règles en permanence, en permanence, en permanence, en permanence en lane. Est-ce que je suis bien positionné par rapport à mon pote? Est-ce que en face ils sont bien positionnés? Et pour ces 2 notions, qu'est-ce que tu prends? Tu prends cette petite strat de domino qui est très pratique, d'accord? Ensuite, titre de sort, est-ce qu'ils ont utilisé des sorts? Oui, il n'y a plus la cage de Morgana. Et bah là, je peux me permettre d'un peu plus m'avancer. Le domino, il s'élargit parce que je peux me permettre d'un peu plus leur péter la gueule. D'accord? Et ça, tu dois juste prendre ces 3 trucs que je t'ai dit, ces 3 notions de trading gold, de temps fort, temps faible et de domino pour pouvoir solo carry tes lanes. Et là, tu vois bien que t'as bien vu le premier fight de ta lane. Tu viens de griffe ta game sur le début, d'accord? Tu as donné la game à la botlane ennemie, tu as feed la botlane ennemie parce que t'as clic droit et t'as voulu jouer hyper agressif et te suicider, d'accord? Et ça, c'est très mal joué. Ok? Donc, là, hormis temps faible, temps fort, t'as pas pris en compte la taille de la wave et où était positionné ton pote. Et c'est à cause de ça que t'as perdu ta botlane et que tu viens de transformer la game en 6 contre 4 sur tes décisions de début de partie. Ok? Donc tu m'entraînes là-dessus, ces 3 notions qui vont permettre de progresser en support, en bot lane, et c'est hyper broken.